À propos de lentilles dans le domaine de l'optique géométrique. Commençons par un peu de vocabulaire. À l'aide des rayons de soleil et avec une loupe, une lentille convergente, on peut allumer un feu en ce point F. Et c'est pour ça qu'on appelle ce point F le foyer de la lentille. Ici, nous allons nous occuper exclusivement des lentilles biconvexes et des lentilles biconcaves. Ce point C, c'est le centre de la lentille. Ces deux points F1 et F2, là aussi F1 et F2, sont les foyers de la lentille. Cette droite F1-F2, c'est l'axe optique de la lentille. La distance entre le centre de la lentille et un foyer de la lentille, désigné par petit f, donc une telle distance petit f, s'appelle distance focale de la lentille. Un rayon R1 qui est parallèle à l'axe optique, là aussi, s'appelle rayon parallèle. Un rayon qui passe par un foyer de la lentille s'appelle rayon focal. Et un rayon qui contient le centre de la lentille s'appelle rayon central.